work today, boss. Welcome back, boss. Another successful mission. Great to see you safe, boss. Snake, you stink. Wouah, sans pression, Oslo il arrive, paf, sodo sur la tronche, sous prétexte que je pue. Bon, c'est vrai que j'avais pas l'air de sentir très bon, hein, surtout que j'avais des mouches qui tournaient autour des oreilles, même les soldats l'ont dit. Et alors, ce qu'il faut savoir sur cette fameuse scène, c'est que j'étais au courant qu'elle allait se passer, tout simplement parce que j'ai laissé mon compte tourner et c'est un ami qui m'a dit qu'une fois les mouches autour de ton corps, il est possible de déclencher une scène spéciale. Il m'a pas spoilé, hein, il m'a juste dit qu'il allait se passer quelque chose au moment où j'allais revenir à la Mother Base. Et vu qu'on est revenu voir Coyote, j'ai envie de dire pourquoi ne pas faire une pierre deux coups, tout simplement. Par contre, alors je suis désolé, je reviens, on m'appelle. Ok, ref, désolé, c'était urgent. Alors, donc, je me dirige tranquillement vers la plateforme médicale parce que je suis arrivé au mauvais endroit, hein. Je suis allé sur la plateforme de base et j'avais Didier avec moi, sauf qu'il a refusé de monter dans le 4x4 et du coup, me voilà tout seul au milieu de l'océan. Je me sens mal hein, quand mon coéquipier de toujours m'abandonne, quand Anslo, qui est quand même mon meilleur copain dans cette aventure de ce que j'ai cru comprendre, me jette un saut dans la figure, et là, je sens que je vais me prendre une claque par Coyote, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais désespérer d'avoir tourné cet épisode aujourd'hui. Bref, on est bientôt arrivé à la station médicale, et de ce que j'ai cru comprendre, cette mission va me permettre de pouvoir utiliser enfin Coyote dans les missions principales et secondaires. Qui est donc génial, puisque apparemment c'est un super coéquipier. Alors par contre, j'ai rendez-vous. Où est-ce que j'ai rendez-vous? À sa cage, ou est-ce qu'il faut que je la cherche sur la plateforme? Je crois que j'ai rendez-vous à la cage. Maintenant, faut juste retrouver la cage. Oh, à mon charge. J'ai jamais conduit ça. Et je peux pas le conduire. Génial. Pourtant, il avait l'air super badass en plus. Mais écoutez, tant pis. Est-ce que je suis sur la bonne plateforme? Nope, je suis pas sur la bonne plateforme. Fuck. Bon, j'ai envie de dire re-ellipse. Très bien, donc, arrivé à la plateforme. Voilà, ça c'est du frein de compète. Alors, Mrs. Quiet, où êtes-vous? Où êtes-vous normalement dans votre cage? C'est pour ça aussi que je reconnaissais pas les bâtiments, c'est parce que j'étais pas sur la bonne plateforme. Voilà, j'avais... J'ai foiré ma face, tout simplement. Et Quiet est toujours dans sa cellule. Alors par contre, voilà, merci. Okay. Donc, bonjour. Je ne fais que passer, je viens voir comment va la détenue. Oslo. N'arrive pas. Il faut que je franchisse la zone. Qu'est-ce que... Attends, ça déjà, je veux. Comment je récupère ça? Très bien, je sais pas comment je récupère ça. The last staff member who tried to dress her, breathing through tubes. Other than that, she's completely cooperative. She understands English, but she never speaks, sweats, or breathes. What? Well, not with lungs, at least. She breathes through her skin. Clothing would suffocate her. Showers are okay, but she can't be submerged. What's wrong with her? She's drinking through her skin. She's okay? She's okay. She just can't move when she's taking in water. Look. See that?
She hasn't eaten a thing since she got here. She doesn't eat either? Never. It's photosynthesis. Photosynthesis? That's the verdict from the medical staff? No, the jury's still out. It's the only explanation for what we've seen. The GRU had a man with that ability in its Cobra unit. Now, we don't think she's contagious, but some of the staff can't stomach her. It's starting to affect morale. Can't you send her on a mission? By herself? No. But as you know, she does have skill. Why not take her out on one of your missions? She seems to like you. Of course, only if you think she'll be useful. Next time you go out, you keep her in mind. Ok, bah moi je dis oui, hein, depuis le temps qu'on me demande d'utiliser Quiet, moi je dis pourquoi pas. Du coup, visiter Quiet, c'est fait, ensuite je me demande bien à quoi on va s'attaquer, et il y a ça que je peux enfin récupérer. Waouh, je pense que c'est parce que j'étais en phase de cinématique, enfin de discussion avec Oslo et Quiet. Du coup voilà, on a récupéré Quiet en tant que coéquipier, Oslo nous a fait son briefing sur Madame, et apparemment Madame est un poisson, ou un extraterrestre. En tout cas, elle n'est pas humaine, ça c'est sûr. Elle respire par les poumons, elle ne mange pas, elle ne dort pas, elle boit beaucoup. Elle boit d'ailleurs sans bouger. Elle ne bronze pas, même si techniquement, là, elle est en position. Mais bon, voilà. Ça, c'est la zone un petit peu Peggy 16. Alors, what? C'est toi qui as parlé? D'accord. D'où tu me parles, toi, wesh? On se connaît pas, toi et moi, ok? T'es mon homme. Bon, je t'ai peut-être recruté dans la rue. Peut-être en Afghanistan, d'ailleurs, mais tout de même. Hein, tu me parles sur un autre ton, je suis ton supérieur, tu me dois obéissance et loyauté. Donc, bah écoutez, tout va bien, je vais pouvoir retirer mon marqueur. Non, je veux retirer ça. Voilà, alors, voyons un petit peu ce qu'on peut faire. Déjà, côté déploiement de combat, j'aimerais bien que j'ai des hommes qui retournent au bataillon, histoire de récupérer toujours plus de ressources et de contenu. Je regarde hein, pour le sniper silencieux, mais pour le moment, j'ai toujours rien. Il y a tout ça que je vois en ce moment qui sont des grosses missions multi, mais je sais pas comment ça marche. Et apparemment, c'est tous des difficultés S. Et difficultés S, bah, c'est personne. Voilà, j'ai que des niveaux qui sont pas encore aptes à faire ça. Niveau A++, alors j'ai un gars, oui désolé, hein, c'est ma gorge qui fait n'importe quoi. Catégorie D, par contre, je peux envoyer des monsieur. Voilà. Ok, et j'ai 100% de réussite. Très bien. Là, je peux envoyer encore deux gars. Non, je peux pas. Après, il y a beaucoup de A++, de S++. Recruter du personnel. Ah non, je peux pas. Là, je crois qu'en fait, tout le reste, je peux pas. Mais tout ça, c'est des missions qui sont arrivées dans des mises à jour parce que j'avais pas ça encore il y a quelques temps. Et il y a eu quelques jours, il y a eu une mise à jour et depuis, plein de nouveaux trucs ont débarqué. Et voilà. Voilà, ça m'embrouille. Alors, côté mission, liste de missions. Pourquoi je peux pas voir les missions? Très bonne question. Par contre, je peux voir les opérations secondaires. Attends, pourquoi je peux pas voir les missions principales? Pourquoi? Parce que je suis à la Mother Base, tout simplement. Alors attendez, on va appeler un hélico et on va retourner à l'hélicoptère de commandement, histoire de gérer tout ça. Weather surveillance indicates turbulence out there. Try not to get knocked out of the sky. Got it. Where does she think she's going? You want to head out with the boss? That'll be the day. I don't see a problem with it, so long as she's with you. She's a crack shot, damn fine scout. Well suited for a clandestine op. Which is more than I can say for the others. There's nothing damn fine about this thing. Here. Hey. Blades.
minute, that thing costs a lot of money. See each individual blade and her depth perception. One in. This is ridiculous. She doesn't talk. How could you possibly stay in communication? Right. I like working solo anyway. Looks like you've gotten used to working with Quiet. I don't see a problem with giving her some new weapons. I've already talked it over with the R&D team. Unit function edit. A bionic arm developer has submitted a proposal for a new feature. An active sonar that can detect the positions of soldiers, prisoners, and animals. To start development, give the order from your iDroid. Très très bien, du coup, est-ce que je peux utiliser Quiet? Parce que sur la fin de la cinématique, elle avait l'air de faire la gueule et elle est pas partie avec nous. Par contre, du coup, ça veut dire que j'ai Quiet, ensuite j'ai activé une mission bonus en début d'épisode, donc c'est parfait. Après, j'ai obtenu une amélioration du bras bionique avec apparemment un sonar me permettant de détecter les objectifs, ennemis et prisonniers de la zone. Alors par contre, je vais activer toutes mes récompenses parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. D-Dog est de nouveau dans l'hélicoptère sans trop savoir pourquoi, hein, parce qu'il était pas là depuis tout à l'heure. Blessé en mission de terrain. Ah mince! Ah, j'ai peut-être fait n'importe quoi. Comment ça se passe? D'accord, donc ils sont juste de retour. J'espère qu'ils vont être soignés. C'est vrai que je les ai peut-être lancés sans vérifier s'ils étaient aptes à la mission. Je suis désolé, j'ai fait n'importe quoi de ce côté-là. Je l'avoue, on va se concentrer plus sur la suite. Voilà, donc le rapport est très très bon. Soldat légendaire, Pouah, S+, Panzer Octopus. Oh non. Je suis mauvais, me filez pas un Octopus, s'il vous plaît. Par contre, les gars, GG, vous passez S+, et rien que pour ça, les gars. Oh la vache, puis il y en a plein en plus. What? 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 Et attends, il y en a combien? What? Il y en avait au moins 7! 7 S+, enfin A+! What? J'ai fait bugger le truc, là, c'est pas possible. Il y avait trop de monde! Non, je... Enfin, pour moi, il y avait beaucoup de monde, en tout cas. Ok, bah écoutez, pourquoi pas, moi je dis pas non. Du côté de la base, je veux voir si j'ai pas des upgrades à faire. Normalement, non, j'en avais lancé une juste avant de commencer l'épisode. Donc voilà, elle est ici. Donc ça c'est fait, côté développement je veux faire mon nouveau bras, si possible d'ailleurs je veux qu'il soit disponible le plus vite possible. Côté arme à feu, bah je vous les ai montré, hein, j'ai tout ça pour le moment. Et malheureusement, oh, amélioration du pistolet de base, ça je prends. Ouais, malheureusement je n'ai toujours pas le sniper, c'est quoi ça? Canon sans recul gros calibre pour ogives spéciales, personnalisé pour tirer des ogives spéciales. Ok, j'ai plein de nouveaux trucs là qui ont débarqué. Ouah, nouvelle charge pour Fulton. Pour extraire des objets lourds comme des containers. Bien, je peux enfin récupérer des containers, des postes antiaériens et des véhicules. Oh là là, les amis, cet épisode, bah ce sera pas pour aujourd'hui. Voilà, j'allais dire c'est l'épisode de la gloire, mais pas tant que ça, hein, puisque je l'aurai que pour le prochain. Par contre, je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux camouflages. On va tout prendre. Voilà, en plus, tous mes 18 minutes à faire, du coup, c'est parfait. C'est un petit peu l'épisode optimisation, hein. On fait tout ce qui devait être fait. Voilà, couleur léopard, tout va bien. Sonar actif, je prends. En fait, tout coûte rien. Par contre, tout va mettre du temps à se développer. Ouais, donc ça c'est bon. Ensuite, je voulais prendre l'amélioration de mon pistolet. Et puis, je pense que ce sera tout bon pour cet épisode. Sinon, après, ça va faire trop de temps.
Et je pense qu'on aura plus le temps de rien faire. Côté coéquipier, je veux voir. J'ai vu que j'avais des upgrades du côté du Walker Gear depuis maintenant quelques épisodes que je n'ai pas encore développé parce que j'utilise pas le Walker Gear. Enfin, que je vous le montre d'ailleurs à l'occasion. Tenue de combat. Pour D-Horse. Oh, bien. Bien, bien, bien. Ça, je prends ça. En plus, D-Horse, je l'ai pas changé depuis le début du jeu. Ensuite, on a plein de matos pour Walker Gear, donc D-Walker. Là, on a quelques flingues. Ah, c'est encore pour le Walker Gear, ça? D'accord, j'ai cru que c'était pour Quiet, mais pas du tout. D-Dog, Quiet. D'accord, donc elle a des upgrades de sniper, mais malheureusement, je n'y ai pas encore accès. Pourquoi? Parce que mon niveau d'équipe R&D n'est pas bon, renseignement non plus, et niveau de lien non plus. L'idée des liens, par contre, je ne l'ai pas encore fait, parce que pour le moment, je ne sais pas comment ça marche. Par contre, étant donné que j'ai beaucoup joué avec D-Dog, et que j'ai beaucoup joué avec Cannabis, il y a peut-être moyen que j'ai un bon niveau de lien. Est-ce qu'il y a moyen que je voie? Est-ce qu'il y a moyen que je voie niveau de lien? J'ai pas de niveau de lien. Peut-être qu'il n'y a pas de niveau de lien pour Cannabis parce que tu l'as de base. Et D-Dog, j'ai pas non plus de niveau de lien. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Au pire, de toute façon, il y en aura un pour Quiet. Alors, côté mission, parce que depuis le début, on a rien fait. On a liste des tâches de défi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'était dans l'upgrade aussi. Maintenant, on peut accepter des défis. À réaliser 50 marques. Ah mais non, c'est tout ce que j'ai fait. Oh là là. D'accord, donc en gros, c'est comme des trophées, en fait. Ok. Bah écoute, ouais. Wouah. C'est bon? Tout fait? Ah non, il y a encore des trucs que j'ai pas fait. Bon d'accord, tout ça, j'accepterai de mon côté. Bah écoutez, c'est très très bien. On avance très très bien dans cet épisode. Et pour bien terminer, on va faire la caravane des traîtres. Qui est donc la prochaine mission principale. J'espère juste qu'elle sera pas trop longue. Extrayez la cargaison qu'une CMP transporte apparemment en guise de paiement pour Cypher. Vous devez récupérer la cargaison avec le camion de transport. Bien. Et en plus j'ai le méga Fulton. Ah non, j'ai pas le méga Fulton. Du coup je peux peut-être pas faire cette mission. Attends, la cargaison avec le camion. Bah non. Bah non, je peux pas. À moins que... Non, bah écoutez, on fera ça dans l'épisode prochain. On va malheureusement se concentrer plus sur du contenu optionnel. Là par contre, j'avoue que c'est le petit point de... Le petit point de pénalité de l'épisode. Je suis désolé, j'aurais bien voulu vous faire cette mission. Mais autant le faire avec le Fulton upgrade. Et malheureusement, il faut 18 minutes. Alors, côté mission secondaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs intéressants à faire? Il y a beaucoup d'extractions. Je vois prisonniers, soldats hautement qualifiés. On commence à se faire une bonne équipe, hein, tout de même. On a chien à la fourrière, extrayer un prisonnier, extrayer un soldat errant, déminage, désarmer les mines qui ont été abandonnées, extrayer l'armurerie légendaire, quelqu'un m'avait dit qu'il était important lui, du coup on va aller le faire. Extrayer des containers de matériaux. Bah vous savez quoi, là on a une bonne brochette, j'ai envie qu'on fasse ces trois missions. Celle de l'armurerie légendaire, celle des containers et il y en a une entre les deux. Qui est laquelle? Qui est le prisonnier. Bon, on va faire la brochette des trois. Comme ça, ce sera très très bien. Alors, on va commencer par l'armurier légendaire. J'espère que ça va pas trop prendre de temps. Voilà, et je vais atterrir ici. Parfait. Alors, donc, côté matos, on va modifier tout ça. Choix du personnage, camouflage. On va prendre l'édition latex. Oh, ouais. En plus, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Ensuite, côté coéquipier, on va prendre Quiet, parce que j'ai envie de l'essayer. Niveau arme, papillon, mauvais, non. Quelqu'un m'avait dit que je pouvais demander des véhicules en cours de mission, donc faudrait que j'essaye. Non, quelqu'un m'avait dit que je pourrais commander des véhicules justement quand j'aurai le Fulton assez amélioré pour pouvoir en capturer sur la zone et donc en faire venir, d'accord. Ok, je m'auto-corrige, c'est parfait. Pour le moment, elle a que ça en armure. Niveau équipement, je suis pas mal. Bah écoutez, on est parti. UK, zone frontière entre l'Agoa et le Zaïre. Ok, donc, alors, déjà, on est en Afrique. Je pensais qu'on était en Afghanistan, donc jusque-là, hein, correction sur correction. Et du coup, si tout va bien, on devrait nous amener juste à côté de la mission, ce qui est parfait. Ensuite, on enchaîne avec le prisonnier 6. Et, Et là, parce que je vais là-dessus et j'enchaîne avec la pêche de l'Afrique. Non, mais n'importe quoi. Et on enchaîne avec... conteneur de matériaux. C'est ça la mission? Non.
Ah si. Ah non, on peut pas le faire en fait. Ah bah oui, je suis bête parce que j'essaye de faire une mission de container sans avoir ce qu'il faut pour les trier. Bah écoutez, on se contentera de ces deux missions là. Et puis voilà. De toute façon, la muraille légendaire, on m'avait dit de le récupérer absolument. Parce qu'apparemment, il va m'être fort utile. D'accord. Je me demandais où t'étais. Tout va bien. Alors quelqu'un m'a dit qu'elle restait surtout à distance. Voilà. Et qu'elle allait éviter de s'approcher. Mais ah ouais, elle cartonne. D'ailleurs, tu m'as fait ma première chute de FPS dans le jeu. GG. Alors là, GG, c'est le comble du comble, si je puis dire. Eh, d'ailleurs, je pense à ça, mais maintenant qu'il fait nuit, avec ma tenue de latex, normalement, on va pas beaucoup me voir. Eh, par contre, elle prend de l'avance de ouf. Coyote. Ouais, tu m'attends, hein. Tu commences... Elle est où? Tu commences pas la mission sans moi. Ah, elle s'est perchée. Bien. La vache. Elle est balèze. Elle est balèze de chez balèze. Bon, par contre, voilà. Alors, on cherche un armurier légendaire. Tout d'abord, on va prendre des marquages. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Toi. Toi, c'est bon aussi. Putain, je suis dégoûté de pas avoir le Fulton, là. Parce qu'on pourrait tellement faire un massacre côté récupération. Ok. Bon, ça, c'est les mêmes gugus que la dernière fois, en fait. Donc, du coup, ça devrait pas trop poser de problème. J'espère en tout cas. J'ai pas regardé ce qu'allait faire l'upgrade de mon nouveau pistolet. J'espère que ce serait quelque chose de cool. De toute façon, on le saura que dans le prochain épisode. Hein. Faut pas espérer avant. Voilà, dodo. Toi là-haut. Si tout va bien, il devrait s'endormir dans quelques secondes. Et non. Par contre, je peux extraire... Ah d'accord, j'avais pas vu le mortier. Je me demandais aussi pourquoi est-ce que je pouvais extraire un mortier que j'avais pas vu. Ah bah voilà, ça y est, après 18 heures de demande. Voilà. Là, il s'est barré. Putain, la vache. Elle fait flipper, hein, sans déconner. Je suis bien content de l'avoir avec moi. Je vais paniquer tous les deux secondes parce que je vais voir son rayon laser près de moi. Voilà. On regarde même pas si on peut la récup. Alors par contre, je vais peut-être éviter de traîner dans la lumière. Ça me semble être une idée judicieuse. Est-ce que je peux couper ça? Je ne peux pas couper ça. Ah. Ah non. D'accord. Je crois que c'était pour appuyer sur un bouton. Ah mais par contre, j'ai pas géré. J'aurais peut-être dû interroger. Ouais. Je savais que j'allais faire une gaffe quelque part. Bon, c'est pas grave. Coyote, tu restes là-haut. T'es très très bien. C'est marrant parce qu'ils nous connaissent, ces mecs-là, et ils étaient en train de parler de nous. Alors par contre, ce qui serait cool, c'est que l'un des deux dégage. Ce qu'il a dit à plus tard. Et quand on dit à plus tard, en général, c'est qu'on s'en va. Ou alors c'est son pote qui est parti. Mais j'ose pas trop me montrer. Et nope, il y a toujours les deux. Est-ce que... Oh, d'accord. Question, est-ce que ce truc fait du bruit? Parce que... Attends. Si ça fait du bruit, je préférerais être caché quand je ferais ça. Voyons voir. A dumpster looks big enough to hide somebody. You could stash a downed enemy in there or hide in it yourself. Just don't stand too close to me afterward. Ouais, non, mais en fait, là, j'ai fait une fausse manip. Hein. Heureusement qu'il y avait cette benne à ordures. Parce que... Oulala. Oulala. Bonjour, messieurs. Ne faites pas attention à moi, tout va bien. Je suis très très content d'avoir trouvé cette benne. Ok. Alors par contre, tu... Ah, tu fouilles pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Et où est son pote? Son pote est pas venu. Très bien. Il est tout seul. Tout va
Bien. Bon, c'est ça en fait. L'idée du sonar, c'est que c'est pratique parce que ça permet de détecter tout ce qu'il y a dans la zone. Par contre, ça fait un bordel monstrueux. Mais je m'y attendais. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à un truc qui ferait du bruit parce que je me suis dit c'est trop positif comme action, tu vois. Alors, c'était sûr qu'il y avait un problème. Donc, bam et loupé. Boum. Ok. Tout va bien, personne regarde. Donc, c'est l'heure de l'interrogatoire. Toi, tu te mets debout, voilà, et interrogatoire. Donc, alors par contre, il veut pas me dire où est l'armurier légendaire. Est-ce que ça compte comme le soldat d'élite? Je sais pas. Bon, on va faire un second interrogatoire, c'est pas grave, on a le temps. Enfin, on a le temps. Techniquement, en fait, je pense que techniquement, on ne fera que l'armurier légendaire aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas trop le temps de faire autre chose. Très bien. Bon, bah bien, il a détecté quelqu'un d'intéressant. Et bah heureusement que j'ai continué de fouiller, parce que c'est le mec qui est genre complètement à l'opposé. Voilà, donc ça, c'est parfait. Ensuite. Là, il y a une maison. Une maison éclairée. Avec rien dedans. Si ce n'est quelques matériaux. Bien. Bah écoute, c'est tout pour ici. Oula. Non. D'où vous me voyez? D'où? Vous me voyez pas, c'est pas possible en soi. C'est pas possible du tout même. C'est pas possible du tout. Alors par contre ça c'est vachement bien parce que du coup ils sont en panique et ils viennent voir ici. Ah bien. Ok, lui c'est un spécialiste. Mais what, mais qui me voit? Y'a un mec qui me voit, sans déconner, c'est ces deux mecs là. Comment il fait pour pas me voir? Recule. Ok, d'accord, donc en gros il y avait un camion derrière. Ok les mecs, no panique. Mais what? Comment ils ont fait pour pas me voir? Mais c'était abusé comme phase. C'était ardu. Ok, tout va bien. Par contre, t'étais pas obligé de gueuler sniper comme un sangouin. Ok, donc dégage. Et le spécialiste, il est où? Là. Bam. Très bien, ça dégage. On s'en va. J'ai fait tout ce que j'avais à faire dans cette mission. On s'en va. Salut. L'armurier légendaire est à moi. Wouh! Bon, la mission, c'est fait. Par contre, je me suis fait genre spotted par l'ennemi à la toute fin. Je suis un peu déçu, je vous l'avoue, là, pour une mission parfaite. Enfin, pour un épisode parfait, j'avoue que je suis tout de même un peu déçu. Bon, bah écoutez, tout va bien. Tout va à peu près bien. En tout cas, ils sont en panique générale. Mais de mon côté, tout est parfait. On va se laisser donc ici pour cet épisode numéro 24. J'avais prévu de faire une mission en plus, mais déjà vu le temps, je pense que je vais plutôt vous tourner un second épisode. J'espère tout de même que celui-ci vous aura plu. Comme d'habitude, je vous fais de très très gros bisous sur les fesses. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure. C'était Sean Kazma. A vous, you. Ciao. Standing on the edge of the crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now, no more bullets, and the embers are dead. Whispers in the air tell the tale.
the brothers gone. Desolation, devastation. What a mess we made when it all went wrong. Watching from